Yo tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Cavity Ghost sur la map Warhawk en domination 6v6. Donc dans cette partie je jouais en solo, j'étais à la fat silencieux chargeur grand cap. Donc on est sur la map Warhawk comme je vous ai dit. Je jouais avec les atouts fin prêt, tour de passe-passe. Les autres je sais plus, désolé, franchement c'est le début du jeu là, je connais pas les atouts encore. Alors, en spécialiste j'avais invisible et j'avais le truc genre dès que je tire sur un ennemi bah il apparaît en rouge sur la carte. Donc voilà. Donc dans cette vidéo je voulais parler d'un petit truc, donc je voulais vous demander si vous vouliez une vidéo en gros qui comprendra un tuto comment XP rapidement. Et dans la même vidéo, je montrerai mes classes, donc les classes avec lesquelles je joue en ce moment même sur le jeu. Donc dites-moi si vous voulez cette vidéo-là ou pas. Donc je comprendrai que pas beaucoup de gens la veulent, tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de tutos XP donc de la part de Croc Madame, Xenon, Tonio aussi, je crois qu'il en a fait un. Enfin, voilà, pas mal de gens. Et je comprendrai que vous en vouliez pas un, mais si vous voulez un petit tuto à ma sauce, on va dire. Et en plus je vous montrerai mes classes pour ceux qui veulent savoir à peu près avec quoi je joue sur Ghost, n'hésitez pas. Dites dans les commentaires je veux le tuto XP plus les classes. Vous mettez ça en commentaire. Et comme ça je saurai à peu près si vous le voulez ou pas. Donc voilà. Donc prochainement je compte vous proposer de la QM hein, toujours. Par contre des fois je mettrai des plus de 50 frags, des plus de 60 frags quand je n'aurai pas de KEM à disposition, donc quand j'en aurai plus. Donc là au passage on se retrouve pour ma troisième KEM sur la chaîne, ou ma deuxième je sais plus, non ma troisième. Donc j'en ai encore une en stock, après j'en ai plus. Donc j'en ai fait 4 en tout pour l'instant sur Ghost des KEM. Donc quand j'en aurai plus, je vous proposerai des plus de 50 frags, plus de 60 frags en spécialiste. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, même s'il n'y a pas la QM. Par contre, par exemple, dans les 50 frags, 60 frags, je fais beaucoup de séries, des fois, genre des séries de 15, des séries de 16. Ça. Donc la partie est quand même entraînante, on va dire. Donc là, au passage, je suis à 18-0. Donc la nucléaire, la QM, je l'ai eu en 4 minutes... 4 minutes 10, 4 minutes 20, donc c'est assez correct on va dire, surtout pour du solo. Franchement je vous le dis clairement, sur VO2 j'arrivais à faire des nucléaires genre en 3 minutes, des fois 2 minutes, tout ça. Mais franchement sur ce jeu je sens que c'est carrément mort pour faire des KM rapidement. Sauf sur un nouveau mode là que j'ai découvert avec Ciso et... Nakaze et Momo là, on a joué à ce mode là tout à l'heure, c'est le mode Blitz. Donc le mode genre où il y a une zone ennemie et votre zone alliée. Et en fait dès que vous arrivez à la zone ennemie, vous respawnez sur votre zone. Et en fait les spawns sur ce mode de jeu c'est vraiment un truc de fou. Genre les mecs ils respawnent comme en démolition, donc c'est un peu des spawns de démo, on peut spawn kill assez facilement si on reste un peu dans le spawn. Donc je pense que je vais tenter de la KM dans ce mode là. Là au passage j'ai failli mourir, j'ai eu peur. Donc ouais je vais tenter des KM avec tout le monde là sur ce mode de jeu là. Donc le mode Blitz en français je sais plus ce que c'est le mode éclair, voilà c'est éclair. Donc pour ceux qui veulent tester franchement c'est un très bon mode. Le seul problème c'est que comme Ciso il avait dit, il avait fait une série de 26. Sauf qu'il avait pas eu sa KM parce qu'en fait il avait fait une série par exemple de 18 à la première manche. Il a fait ses autres kills dans la deuxième manche et en fait faut faire la KM dans la première manche ou dans la deuxième manche. Sinon ça marche pas, la série compte mais la KM sort pas. Donc voilà. Donc là au passage j'obtiens ma KM. Donc voilà c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé mon commentary, le gameplay. Donc on se retrouvera demain pour une nouvelle KM donc sur la map Whiteout, encore à la fin d'une fois. Donc n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça me fait très plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.